Détails sur citroën.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h32. Les sondages du matin arrivent dans moins de 10 minutes. On va s'écouter Dermot Kennedy. Il y aura aussi Daddy Yankee avec Katy Perry. Et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, ça s'arrange. Après le passage pluvieux de la nuit, on retrouve le soleil dans des éclaircies ce matin sur Monaco et la Côte d'Azur. En revanche, côté température, c'est un peu la dégringolade. Pas plus de 19 degrés max pour cet après-midi. Actuellement, il fait 11 sur le littoral. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Le passage pluvieux est donc derrière nous, mais il faut encore faire attention au brouillard ce matin. Il est très présent et bien épais du côté de la Turbie. Pensez à lever le pied sur la 8 et la moyenne corniche. De l'animation aujourd'hui dans les rues de Menton. Les rencontres franco-italiennes de théâtre doivent avoir lieu ce mercredi. Pour cette 25e édition, des élèves des lycées Pierre et Marie Curie, Paul Valéry, mais aussi de l'autre côté de la frontière, les lycées Rosa et Gioberti vont déambuler. Ça va se passer de 14h30 à 18h dans la cité du Citron, avec donc pas mal d'animation. Mercredi 15 mai, début d'une nouvelle phase sur Parcoursup. Les premières réponses arriveront ce soir sur le site officiel et aussi par mail. Les candidats sauront si leurs vœux d'affectation pour les études supérieures ont été exaucés. Les établissements, les facs ont jusqu'à mi-juillet pour se prononcer, donc pas de panique si vous n'avez rien aujourd'hui. Notez-le, mercredi prochain, cette fois, aura lieu un nouveau rendez-vous des cafés de l'emploi à Menton. Au programme Job d'été et emploi saisonnier, vous serez accueillis de 14 à 17h sur le parvis du musée Cocteau. Vous avez une semaine pour préparer vos plus beaux CV. À Nice, un suspect est toujours recherché. Hier, il aurait poignardé un homme en plein centre-ville dans le quartier de la gare. Il s'agirait d'un vol à l'arraché qui aurait mal tourné. C'était il y a déjà un mois. Le monde entier découvrait les images de Notre-Dame en flammes. Après l'émotion, place à l'action. Une réunion d'information a lieu lundi pour les riverains parisiens. Elle a eu lieu lundi. Pendant ce temps, l'enquête avance. La piste intentionnelle est quasiment écartée, selon le Figaro ce matin. Les policiers privilégient désormais l'hypothèse d'un court-circuit, peut-être au niveau des ascenseurs de chantier. Une pluie d'étoiles hier sur la croisette avec The Dead Don't Die, le film d'ouverture du 72e Festival de Cannes. L'histoire d'une ville américaine envahie par des zombies. Dans cette comédie, Selena Gomez fait son retour au cinéma. Elle en perd littéralement la tête. Dans une scène, Adam Driver, qui joue un policier, nous tue, mes amis et moi, dans une chambre d'hôtel. Il me décapite, il tire ma tête et la montre à ses collègues Bill Murray et Chloé Sevigny. Pour avoir l'air morte, j'avais un maquillage spécial. J'étais assise et Adam tirait mes cheveux et balançait ma tête. On a dû faire ça plusieurs fois. Selena Gomez au micro de Bertrand L'Aiguillon, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch en compétition officielle à Cannes et également dans les salles de ciné de Monaco et de la Côte d'Azur ce mercredi. Voilà pour votre actu, il est 8h35, excellent début de journée à vous. C'est Manu dans le 6-9 sur NRG à Monaco pour vous accompagner. Attention, vous avez un premier rendez-vous ce soir, le fameux premier rendez-vous du mercredi. Ouais. J'ai la question à poser à l'autre au premier rendez-vous. Wow, ah, c'est pratique ça. Alors, pas pour toutes les femmes, mais pour 12% des femmes, c'est la question à poser à l'autre au premier rendez-vous. Ok. Ah. Mais quoi, la question qui fait que ça va marcher, quoi. Ouais, à conclure. Ouais, oh, c'est bon, c'est la question qui fait que... Oh, la personne qui est en face de moi est tout à fait charmante. Okay. Quelle est cette question? Eh bien, la réponse, ce sera dans 3 minutes dans les sondages du matin qui arrivent. Ce sera juste après Dermot Kennedy. Avant ça, une question. Quel est votre pire problème d'adulte? J'ai trouvé ça sur Internet. Ah ouais? Et il y a des gens qui se sont posés la question. Alors, la réponse n'est plus donnée. Il y a prendre nous-mêmes les rendez-vous chez le médecin. Ah ouais. Et quand on est adulte et qu'on bah voilà, il faut prendre ses rendez-vous. Et moi j'ai toujours pas passé le cap, c'est mon papa qui prend les rendez-vous. Ah ouais, ouais. Sinon bah, j'y vais pas. Donc lui il me force, il sait quand est-ce que je vais y aller, il me fait des rappels et tout. Ah d'accord. Ouais. C'est compliqué votre famille, hein. Ouais. Mais tu vas toute seule, tu vas pas avec lui. Non, bah non, il est pas là malheureusement. S'il était là. Il irait même à ta place. Allez-y, soignez-moi une carie, vous en avez pas. Ouais, mais elle en a une, on est très très liés. Donc, elle va le sentir. Dans les pires problèmes d'adultes, il y a aussi plier et ranger nous-mêmes nos vêtements. Oh là là, mais quelle galère. Ça, j'avoue, c'est chiant. J'ai tenté une fois d'arrêter, honnêtement, et de faire des tas. Oh, bah non.
c'est pas terrible. Bah, non, ah, j'aime non. bien, moi. J'aime bien faire un gros tas et piocher dedans. J'ai l'impression que c'est un peu ludique, quoi. J'ai envie de découvrir quelque chose à chaque fois. Mais le problème, c'est qu'à un moment, tous les tas se mélangent et c'est le bordel. Tu mets 1000 ans à retrouver les chaussettes. Attends, vous avez pas le bonheur d'avoir un placard où il y a tout bien rangé. Tu sais où sont les polos, les t-shirts, les chemises, les pantalons et tout. C'est un kiff, quoi. C'est hyper bien. J'ai pas ce bonheur. Sérieux? Et c'est un kiff, mais pas quand c'est toi qui le fais, tu vois. Bah si. Ça prend trop de temps. Ah bah si, je suis content, moi j'ai accompli le truc, quoi. Je suis content, je le fais même pour ma femme aussi. Ah non, j'ai accompli un truc quand je suis un barbecue. Là, j'ai accompli un truc. Ouais, c'est basique. Pas quand je range un t-shirt, non. Non. Okay, okay. Non, c'est que quand je range un t-shirt dans une armoire, je me dis. Pff, voilà. quel est votre pire problème d'adulte? Il y a aussi faire les courses. Ah bon? Et bah oui. Oh bah c'est génial, moi j'adore faire les courses. Non mais on parle pas du shopping de fringues, on parle des vraies courses. Ah ouais, même les courses en supermarché. Manger et tout les... Ah ouais, j'adore, hein. Je découvre des nouveaux trucs. En plus avec l'appli Yuka, tu peux vérifier ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc tu peux le dire aux gens. Mais peut-être... tout le monde n'a pas des grosses journées à rien foutre comme toi. Ouais, c'est ça. Ouais, Ah, j'adore, moi je passe des fois 4-5 heures dans une petite épicerie. Oh, je suis bien.